Olapalais.com. Jean-Mère auditeur et Jeanne Diane, nous allons présenter la conférence à Cap-Bay dans Centre National Météorologie. Côté Ronald Semelfort, pour Al-Bay, dernière information sur l'évolution ou à Grand Mathieu sur le pays d'Haïti. C'est reste journée pendant nuit là et un peu en bonne partie pendant journée et demain en tout. Donc mes amis, montrez-nous très vigilants, très réactifs et abritez-nous dans des endroits sûrs pour nous pas capables encore continuer à enregistrer des têtes chargées encore. Donc il y a des rafales importantes qui allaient qui supérieures à 215 km et ça 15 km par heure gros force vent et puis encore et l'autre danger bien là-dedans c'est que nous sommes dit là les déplacer très très lentement. Donc il y a plus de temps pour le déverser en pile quantité la pluie en pile et gros coup de vent et puis pour faire en pile dégâts. Pas qui mettait timounio en papier bois, pas qui était en papier bois, nous même tout grand monde pas qui était en papier bois parce que les coups de vent ça yo puis bois capable de tomber. Protéger vieillard, protéger au météo en lieu sûr, et puis fermer toute vite et toute porte, et bien les coups de fonce à eux pour ne pas faire leurs dégâts dans la caille. Pour profiter et annoncer nous que le ministre avec Mme Jean-Baptiste et pour rejoindre nous tout de suite là, dans un moment ça, par rapport à la conférence que nous-mêmes avons renforcé. Donc, le ministre, Mme Jean-Baptiste, Eh bien, justement, c'est Mme Jean-Baptiste qui a plus en mesure pour avoir toute information parce que c'est protection civile qui fait bilan, c'est protection civile qui fait bilan et impact, nous-mêmes et au niveau météo. C'est l'ensemble des. Bon, c'est plus deux premières fonctions d'alerte que nous plus occupés. Nous voulons parler de la surveillance, nous voulons parler de la diffusion. Maintenant, en ce qui concerne la réaction de la population et puis l'attaque des dégâts, c'est surtout la protection civile. Après toute information, nous sommes passés dans ce qui concerne actuellement l'ouragan Mathieu. Dans qui est la situation que nous toujours est, tant qu'on nous dit en gros, il a toujours été un gros danger pour Haïti. Haïti toujours retrouvé dans un rayon d'action si comme ça. Et puis maintenant, nous avons l'occasion pour nous joindre toute information nous a demandé sur qui est le bilan des dégâts qui commençait, qui côté. Que nous avons enregistré des dégâts déjà. Donc, ministre et ministre intérieur, parlons-nous un peu dans l'information, ça, dans la quantité de buts d'impact que nous commençons à enregistrer dans le pays. Monsieur le ministre, monsieur le ministre. Bonjour. Collègue Mathieu, toujours été dans la salle TIA, ça a espéré que. Était capable de rétrograder, mais malheureusement, jusqu'à date, il était dans le niveau 4 et il a une trajectoire nord que le tape suivant. Et pour qu'on y aille pendant la palais, il y a de vent qui a soufflé dans un rayon de 45 km à partir du centre et il y a de vent qui a une force tempête qui courit à une vitesse de 315 km/h. Ça qui fait Haïti toujours été sous menace et ouragan ça qui est extrêmement violent. Donc par rapport à la prévision pluviométrique, la région sud pays, il y a même pour continuer, il y a recevoir une quantité de la pluie qui sortit dans 300 mm pour aller dans 600 mm. Ça, ta vle di, c'est quantité la pli, yon ta dwe recevoir nan yon mois, yon recevoir nan yon jour. Comme ça, gagne de risque pour, je ne te dis déjà, pour gagne de couler de boue, pour gagne submersion marine à l'échelle tout pays, et nan yon échelle supérieure pour côte sud pays d'Haïti. Centre ouragan Mathieu a approché sud-ouest pays d'Haïti. Zizouane Grandance,
Asoya a gagné une légère accélération de vitesse déplacement ouragan et ça capable passer déjà dans les prochaines heures. Comme ça, alerte rouge que nous avons lancé, alerte de vigilance rouge que nous avons lancé depuis un an, l'est maintenu encore aujourd'hui. Pour qu'on y a, nous connaissons gagné en termes de sac passé comme dégâts, gagné vendredi 30 septembre dans la zone Saint-Jean, dans le sud pays, gagné trois pêcheurs qui étaient dans la mer sur un pirogue et gros coup de vent, gros coup de vague la mer, t'es fait pirogue en chaviré. Le deux lotes ont demandé, deux lotes ont décidé à sortir du troisième dans en aller. Troisième nan te décidé le pape sorti quitter pirogue là dans de l'eau la prêter pour le aller sorti mais malheureusement ni monsieur ni pirogue là yo pas arrivé sorti et yo te joindre et comme on ça hier dans bon en mer donc gagné deux là dedans qui j'aime dire là qui regagné la terre ferme et troisième nan le lendemain yo joindre sans vie et bon plage qui est aux Anana Beach. Gagnon l'autre pirogue qui était gain quatre pêcheurs là-dedans qui l'écrasé hier dimanche là pendant sous la mer dans zone Aquin dans sud là toujours. Gagnon trois moun que yo joine que yo repêché et gagnon quatrième qui portait disparu. Gagnon tout yon et yon on équipe moun qui était sous yon canot tout qui t'a pralé dans zone île Avache yo vent et détourné yo le yo tapé péri yo essayé retourner mais bateau quand même rivé choué sous terre ferme mal et heureusement tout yo chappé. N'a rappelé que secrétariat permanent gestion risque et désastre de conseil à service maritime et navigation d'Haïti Semana ensemble avec le Centre national météorologie, ils ont interdit toute opération cabotage dans la zone côtière pays d'Haïti, en particulier dans la zone côte sud là, avec le golfe Lagonave jusqu'à nouvel ordre. Nous avons demandé aux amis, la presse là, continuez à faire un message à passer pour nous, parce que malgré toute sensibilisation qui fait déjà, nous remercions les autorités locales, yo, KASEC, ASEC, magistrats, vice-délégués, délégués, et tout le monde qui n'a coude dans et coule tout le monde qui n'a et la croix rouge dans toute région yo font quantité de travail sensibilisation tout le monde qui continue à insister pour nous prendre la main quand même malgré yo interdit yo ça donc maintenant des amis la presse là pour yo continuer faire message à passer pour dire moun yo c'est sérieux. Et nous entendons avec le directeur général de la police là, qui kounya nos réunions et après ça l'a passé l'autre by tout directeur départemental la police là, yo, de telle sorte que yo arrêté n'importe moun qui enfreint interdiction. C'est préférable, d'un coup j'en dédile déjà, c'est préférable que moun yo perdu liberté yo pour un petit bout de temps au lieu de perdre la vie yo pour tout le temps. Donc si gagne de moun qui a marché inexorablement vers la mort, l'État a une responsabilité pour empêcher les gens de tuer tête. Donc, il y a une inondation que vous signalez sur quelques zones dans la côte sud, particulièrement dans deux sections communales, Bariadel et Petite Rivière de Dame-Marie. Opération évacuation a continué au niveau péninsule sud pays. Et à partir de ce moment, nous dit que l'évacuation, ce n'est pas un bagage. Et optionnel lié encore, c'est obligatoire. Nous passons consigne là by tout responsable local là pour y évacuer de gré ou de force tout le monde qui était dans zone inondable, dans zone côtière qui est capable de recevoir, j'en ai dit déjà, de houle qui est capable de monter jusqu'à 3 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Donc pour cela, nous croyons gagner de monde qui était tout près de la mer, Jean Mounio habitué d'il, Mounza yon gen pied yon dans l'eau, c'est pour nous déplacer yon. Pour nous déplacer yon, jusqu'à date, gagner 1247 moun que nous accueillons dans l'abri provisoire au niveau de 52 abris provisoires qui ouvert dans le département Grand-Anse, NIP, Sud-Est, Sud. Il y a 612 moun qui n'abri provisoire dans Grand-Anse, 350 dans Sud-Est,
285 dans le sud. Donc, il y a 274 abris provisoires qui ouvert sur l'ensemble du pays jusqu'à date. Pas oublier, nous te dit, il y a 1300 abris provisoires qui sont disponibles. Pour qu'on y a, c'est 274 qui ouvert et c'est 52 seulement qui recevront moun toujours. Bon. Nous continuons et à dire moun yo ça. Si nous étions dans Flamouane, près la rivière, près ravine, près canal, si nous étions sous littoral là, nous demandons de grâce évacuer. Ça veut dire quitter zone là, aller yon côté nous plus en sécurité. Si nous étions dans Flamouane, tout près rivière, ravine, canal, sous littoral là, s'il vous plaît, déplacez Kounia. Quitter zone là. En pile monde pas croit. Même parce que en pile dans nous tout qui matin et ou bien depuis hier soir, yo suivre un documentaire sur France 2 qui montrait dégâts ouragan Matthew fait dans pays Martinique. Yo gagné des milliers d'hectares de jardins bananes qui crasaient, des 50 000 familles qui est sinistrées dans Martinique. Donc depuis hier soir, ouragan fin passé sous Martinique et la dirige dans direction pays d'Haïti. Donc, nous demandons Mounio, s'il vous plaît, déplacez, mettez-nous à l'abri, non lieu qui est à pied assuré, non abri provisoire, ou bien qu'il y ait quelques monde qui proche nous, tant que famine, examine. Et l'on a déplacé, consignant y aurait été même, non, porter avec nous tout document important nous gagne. Tant que Baptiste, papier terre, papier caille. Ak mariage, ak décès, passeport, canet banque, canet coopérative, carte électorale. Sorti avec tout, vlopé yon dans sachet papier, déplacé avec yon pour ne pas perdre yon, pour yon pas mouiller, pour vent pas poté valer, parce que après ouragan, n'a continué vivre sous bout de terre ça, qui relè chez maître, chez maîtresse. Donc n'a besoin de papier yon pour nous continuer vivre. N'a rappelé que le ministère de l'Éducation nationale ordonné fermeture toute l'école yon. Jeudi, lundi 3 octobre, à demain mardi 4 octobre. Office national aviation civile, OFNAC, livré par ligne aérienne, yon autre officiel, qui annonce que tout aéroport dans Port-au-Prince, à Cap-Haïtien, yon fermé jeudi, lundi 3 octobre, sorti 6 heures du matin, pour arriver mercredi 5 octobre à 6 heures du soir. Si gagne l'autre bagaille, y'a fait nous connaître. Ça veut dire que les gens qui ont pour voyager jeudi, demain et mercredi, ils mettent reporté voyageant parce que la ligne aérienne n'est pas capable de voyager, pas de vol depuis jeudi matin, lundi 3 octobre à 6 heures du matin, jusqu'à mercredi 5 octobre à 6 heures du soir. Semana, service maritime et de navigation d'Haïti, il continue à quimber mesure interdiction cabotage que l'on mettait pour tout côte pays d'Haïti. Tout bateau. Quand notre voilier, yo tout doit rester dans le port d'attache ou bien dans l'eau qui servit à abri. Nous faisons connaître que dans la zone Port-au-Prince, bateau qui était attaché dans la là, comme nous estimons, yo pas en sécurité là, APN fait râler ou déjà fait remorquer yo, al mette yo dans le port qui est port d'abri dans la zone Tigouave. Et stop d'opération d'urgence, côté nous y est là, Koun. Avec toute l'autre sorte d'opération d'urgence départementale, yo coud, yo tout, yo activé, et y'a été activé pour faire sensibilisation et pour renforcer sensibilisation qu'a fait souterrain déjà à travers anciens médias, yo, ça veut dire radio, télévision, journal, et nouveaux médias, communication et tout, tant coup médias en ligne, yo. Nous, utiliser toute plateforme messagerie, yo. Facebook, Messenger et WhatsApp pour faire message dans le passé pour nous dire, Mounio, s'il vous plaît, restez, mettez quoi nous à l'abri. Nous dit, ça n'a pas poursuivre jusqu'à présent, c'est objectif zéro mort. Dans le cadre d'objectif zéro mort, là, nous demandons la police pour prêter nous la main forte pour les gens qui gagnent tête dure, qui croient qu'ils sont capables de braver le danger. Pour nous dire, nous pas d'accord pour yo touye pour tête yo. Même si la vie yo c'est pour yo, mais c'est pas yo qui te baille tête yo, la vie a. Donc,
n'a pas fait tout ça capable pour nous protéger mon yo. N'a pas dit encore gagné 274 abris qui ouvert et dans département yo dans côte sud là. Toutefois gouvernement l'a pas encouragé mon yo pour yo évacuer, pour yo déplacer alkay famille ak zami dans deux zones qui pi sûres. Nous reprenons chiffre là yo dans zone NIP gen 116 abris qui rouvri qu'on y a là dans grand danse gen 34 dans sud-est gen 33 dans sud gen 91 ça fait un total de 274 abris qui ouvert mais gagné 1300 abris qui disponible quantité moun qui na abri ça yo pour qu'on y a c'est 612 dans grand danse 350 dans sud-est et 285 dans sud. Merci. Paul@palais.com. Nous espérons que magistrat yo comprennent qui ça yo lié. Magistrat yo c'est eux-mêmes qui coordonnateur comité communal de protection civile. Nous espérons yo rete en coordination avec comité départemental yo de protection civile. Donc, ça veut dire qu'un magistrat, son administrateur, c'est un agitateur. Premièrement, toute l'école par abri provisoire. Deuxièmement, il y a un plan de contingence qui te prévoit déjà et qui te prend en compte n'importe situation qui t'a présenté du 6 au 12 octobre, non, qui circonscrit période et opération de vote là-dedans. Donc, l'État t'es pensé avant ça. Donc, gon mise en place qui fait pour que toute bagaille passe selon nos prévisions. Et pour l'instant, et comme au Capabouel, et même fermeture aéroport, c'est jusqu'à mercredi. Ça veut dire, si gagnent yon bagaille qui allait au-delà de mercredi, jeudi, c'est sûr que la fois qu'on est, si gagnent de l'autre disposition qui mérite de prendre. Par exemple, pour qu'on y a là, n'abrité suivant plan que nous dégagnons. Mourir dans Saint-Jean-du-Sud, mais attention, c'est avant le passage de l'ouragan. C'est vendredi. Dans Saint-Jean-du-Sud, dans Akin, hier, il y a un monde qui portait disparu. Nous pas capable confirmer le mourir qu'on y a là. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, est-ce que nous avons une idée de combien de monde qui a été déplacé et par rapport à la zone qui a pu toucher et ça n'a pas prononcé son que nous déplacons ça? Donc, il y a plus de 30 000 personnes qui vivent sous des régions côtières non, et qui, on dit, c'est pas tout le monde qui vivent sous des régions côtières, il y a des points qui sont beaucoup plus à risque et dans les points, nous croyons que c'est une nécessité, c'est une obligation même pour nous déplacer les gens qui méritent de déplacer. Mais pour les abris provisoires, nous avons une capacité d'accueil de 340 000 personnes, donc nous paraît pour nous accueillir environ 340 000 moun dans l'abri provisoire nous yo. Donc, pour qu'on y a là, qui disposition nous prend, nous avons essayé persuader yo. Nous avons essayé convaincre yo pour yo déplacer, faire yo ouais que gon menace réelle qui a pesé sur yo, gen nécessité pour yo déplacer. Mais dans les heures qui viennent, la persuasion pourrait céder le pas à la force. C'est pas moi même qui gagne, c'est l'État ici. Est-ce que 1300 abris, ça veut avec les normes et les principes pour tout le monde qui va bien pour aider là-dedans? De qui norme? Pour parler. Parce que moyen disponible là-dedans. C'est un abri provisoire. Le nom le dit. Le nom le dit. C'est un minimum de gagner là-dedans. Ton minimum quand même, pour gagner un abri provisoire. Le nom le dit, gagner matelas, gagner manger. Matin, on a parlé avec le délégué Grand-Dessant. Il a servi déjeuner à 612 personnes qui ont abri pour eux à Grand-Dessant. Paul@palais.com. Je suis capable de gagner un déboulement tout même. Cet hôpital-là, des maisons qui construisent, qui ne sont pas construites selon les normes
les hommes parce que capable qu'un risque de déboulement tout ça encore capable interpeller les sénateurs. La fois dernière nous t'ai en loi sur environnement pour voter COP 21, je dis à nous pas voter. Voilà donc ça qui a passé. Tout ça encore m'a souhaité que nous même prenons responsabilité en tant que parlementaire. L'est que pour nous prendre une décision, l'est que pour nous voter un texte de loi, l'est pour nous ratifier une convention internationale, l'est pour nous des accords internationaux pour nous travailler sur des instruments internationaux pour nous prendre des décisions. C'est pas pour nous attaquer, pour nous dire, pour nous faire chantage politique. Pour que nous-mêmes, nous, population, votez nous, nous représentons la population pour nous prendre des décisions, des très bonnes décisions pour le pays, les pour nous passer par quatre chemins, pour nous évoquer des questions politiques, et puis ça va faire nous prendre des décisions que nous devons prendre. Je dis là encore, top 21 pour nous ratifier. Nous pas ratifier, je dis à maintenant que la situation nous est, des questions environnementales à frapper nous, et puis nous-mêmes, nous, c'est la question pour nous voter qui approprie avec et position géographique nous, nous pas avec conditions vulnérabilité nous en matière environnementale, je dis à la, mais nous pas ratifier la convention, hein, et voilà, donc, mais nous, dans l'œil du cyclone, nous ne pouvons pas prendre aucune décision. Merci beaucoup, Président Napéré, tu es en contact. Si il y a d'autres informations, si il y a une évolution pour nous capables de parler et continuer à suivre et médias qui nous mêmes dans niveau radio Kiskeya qui décrétait la permanence dans cadre passage ouragan Mathieu sur pays d'Haïti. Merci radio Kiskeya et même tout n'appelant son appel pour tout et pour les employés du sénateur République, surtout les agents de la police, des agents de sécurité qui n'ont pas la force pour prendre plus de précautions parce que nous ne connaissons pas qui risque de gagner, c'est la main agitée qui dégâts à causer. C'est ça fait nous mêmes nous disons qu'il faut prendre plus de précautions pour que le travail qui a fait. Pour que vous-même vous preniez précaution. Merci, Martin Radio Kiskeya. Merci d'avoir été mobilisé, d'avoir été en contact permanent avec tout le monde. Nous, comme homme d'État, comme responsable politique, comme président du Sénat, nous étions en contact permanent et nous avons essayé d'informer 24 sur 24, seconde par seconde, minute par minute, de tout ce qui a fait dans l'évolution de la situation. Merci beaucoup, Radio Kiskeya. D'accord, merci beaucoup, Président. Voilà, amis auditeurs, c'était le président du Sénat République, là, sénateur Ronald Larèche, qui t'a bas impression sous passage ouragan Mathieu sous pays d'Haïti. Nous connaissons jeudi et lundi 3 octobre, là, c'est une journée de mobilisation, nous-mêmes, dans le niveau radio qui serait à nous décréter pour nous capables d'informer la population, hein, joindre l'autorité pour nous parler avec eux. T'allez à nous suivre les conférences de presse qui sont bas là, côté Ronald Simelfort, Annick François Joseph, avec responsable dans le niveau la Croix-Rouge, ils sont parlé ensemble disposition qui prend et à l'aide rouge. Dans le cas où Agama, tu as toujours kembe, il y a des populations à la vigilance. Et actuellement, nous avons avec nous dans le studio, directeur général, nous, et Marvel Dandin, nous avons dit bonsoir, bienvenue dans le cas des mobilisations à faire sous passage et où Agama, tu es sous pays d'Haïti. Eh bien, bonsoir, Villeneuve, bonsoir, tout auditeur, tout auditrice, c'est bien. Et situation vraiment, et ben, qu'est-ce que tu es? Et contrairement à l'autre fois, yo, fois ça semblé c'est tout bon. Pour ça nous ouais et pour ça nous prend comme information et nous pas gagner pour nous mettre sa autorité Abdila en doute. Et menace yo sérieux et nous ka di gagner occasion pour nous mande tout moun pren précaution yo capable pran. Nou bon konn sa k pral pase, nou bon konn ki an sa pral liye, men fwa sa c'est sérieux. Nou va konnen si au dernier moment capable gon coup de guidon, ça va dépendre de personne. Mais pour ça nou wè sous tout site internet avec information autorité au bail, eh bien c'est un cyclone qui vient pour nous. Alors problème qui gagne gon série moun qui est crédule qui pas quoi nous penser ça a un rapport à Jean. Généralement, et autorité yo, ak service qui place pour ça, gérer information sur question cyclone. Parce que plus d'une fois, moun yo wè, yo décrété permanence,
et puis après yo pa wè rien yo comprendre c'est sous bluff autorité téyé or ces informations pour ba pour faire moun yo comprendre gagner au niveau probabilité gon niveau probabilité dans information sous météo mais gen un moment krive ou presque pas dans probabilité encore ou dans certitude et donc gen nécessité pour prendre une série de dispositions donc faut gen yon confiance entre population et autorité dans sens ça pour comprendre le pour yo prendre décision qui utile parce que dans bagage ça yo c'est la vie pour protéger, c'est la vie pour sauver. L'autre bagaille, eh bien, c'est nous qui faisons, eh bien, nous qu'à refaire. Donc, nous pensons, moun kap koute nous, eh bien, parler avec moun qui dans l'entourage, yo, rele moun, yo connaît, pour dire, yo, nécessité, pour yo, prendre précaution. D'abord, cherchez connaître si moun yo au courant parce que moi-même matin j'étais en communication avec tout le monde moi saisi ouais moun nan pas au courant danger n'a courir or c'est au courant qui est important à disposition de reprendre qui encore plus important donc faut que nous fait parole là marcher olapalais.com parce que ça cap vini là li pa un jouet c'est un bagage sérieux nous bon connait qui conséquence li ka gagner nous souhaiter nous capable passer nous ka chaper en balle mais li capable terrible pour nous alors c'est occasion pour nous dire c'est dommage pour problème nous gagne déjà pour problèmes à venir en plus mais nous t'es supposé qu'on est ça t'es toujours capable arriver et c'est peut-être ça là nous gagne temps là nous gagne occasion nous doit toujours faire des mises en place nous doit toujours prendre disposition pour nous parer à mauvais coup c'est pas dans dernier moment pour n'a courir ici, courir là. Et ça, c'est une situation et nous fait pour nous toujours attendre nous à eux-mêmes. Parce que ces eaux cycloniques-là ont commencé le 1er juin, ils finissent le 30 novembre, et maintenant, période de nous toujours attendre nous que les bagages qui sont capables de vivre, j'en sais. Et les saillots, nous toujours doué gain temps à préparer intervention préparer secours mais c'est pas ça seulement toujours aménager infrastructure en façon pour nous capable gain moins difficulté si au cas par cas nous pas dire pas rien fait protection civile toujours au travail et nous connaît yo gen plan yo toujours mettre en place mais nous connaît c'est pas toujours plan yo doué mettre à yo mettre en place parce que en règle générale les gen mode situation ça yo eh bien c'est pas yo côté toute équipe tout dispositif secours établi et bien c'est chaque côté qui a risque faut gagner ça relève prépositionnement faut comme si m'dadou là côté cyclone la frappé faut déjà gon dispositif qui est en place avant même cyclone n'a frappé pour limiter les dégâts
Alors, sous Anza, nous pas certains, et qu'on s'a dispositif là, les plus paraître sans secours à intervention, il y a une distance. Comme quoi, c'est les bagages à la fin de passer, il peut le déplacer pour l'aller vers côté qui endommagé. Or, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, parce que côté qui endommagé, il doit tellement endommagé, intervention pas même capable de faire. Pour qu'il doit craser, route qu'il doit défoncer, tout ça. Donc, faut que nous travaillons plus bien sous question prévention, sous question prépositionnement, en façon pour le bagage à arriver, pour nous avoir une capacité de réaction rapide et efficace. Donc ça, c'est planification, c'est prévention, et nous connaissons malheureusement, c'est pas dans ça nous plus fort, et nous plus fort dans pile l'autre bagage, sauf dans ça. Nous t'as souhaité, nous capables, à la faveur, bagaïsa, surtout, nous t'as souhaité d'y pas faire trop de dégâts, mais pour nous redéfinir les plans d'intervention, yo, une façon pour nous capables, plus en mesure, pour nous faire face. Parce que soit là, à Cuba, ou après, comment on fait ça, il y a de coquins chaîne cyclone, Cuba, qu'on gagne, un seul monde mourir, ou deux, ou trois, parce que, y'a gagné moins. Maintenant, quant à pour question, et, déplacement population. Là encore, c'est conséquence, problème, planification. Parce que, Mounio, y'a pas convaincu. Y'a pas certain. Et ni tout, y'a pas ouais. Et, utilité. Et déplacement. Donc, dans bien des cas, on va l'obliger à servir avec la force pour faire déplacer. Et c'est dommage. Mais, c'est pour gagner en pile travail prévention, en pile simulation tout. Mais, beaucoup plus que ça, faut gagner des interventions courageuses, énergiques, qui faites dans un risque, pour empêcher moun construit dans mitan ravine, pour empêcher moun construit sous flanc mon, pour empêcher moun construit tout côté nous connaît terre pas capable supporter construction parce que les comme ça les surtout les grands pile d'eau ou pral gen terre qui pral fond et pendant terre fond l'a glisser et ben déboulonnay l'a mené dans catastrophe. Alors on motion de lever sous soir dit ADG sous passer bolan mais majorité l'eau ouais gagner des nettoyages qui fait soit des remblais ou gagner ouais camion pour déposer bois en mer c'est déposer à déposer pour donner monde dans dit la fonte bois en mer pour le construire comment on va faire face avec on si on wagon en niveau ça qui va venir dans l'emmène par contre ça va le porter l'eau prend dans zone fontaba 43 face et hôtel qui relé royal chaîne sous garde tout en dans ça c'est monde qui a construit avec remblais et terre vient déposer puis monde yo même yo fait terre là yo mettez carreaux tu mettez par quand yo mettez ensemble bagaille puis yo font terre là yo construit sur yo qui résistance quand ça va gagner face avec yon ouagan en niveau ça oui non seulement vent mais l'eau tout l'eau la mer hein, capable monter 17 hauteur et où est ça pour cyclone mais terre qui bâti sous mode terre ça tout yo très en danger par rapport à tremblement de terre mais en base autorité oui et bien justement ça fait nous sommes dit gain nécessité pour gain intervention qui fait avec un pile courage avec détermination pour éviter bagaille ça qui est en fait et là on fin fait là yo fait net parce que l'on va déplacer population qui fin tabli dans condition ça yo et bien il vient coûter plus parce que sous tes campés pour empêcher au faire et même sur les populaires. Oui, c'est des mesures impopulaires pour prendre qui est capable de porter résultats dans 5, 10 ans, dans 15, 20 ans. Automatiquement, on va faire des gens plaisir, sous base, peut-être, ou à l'élection, ou pas voulez pour aller encore pour pas voter, ou, on va faire des constructions anarchiques, après, c'est eux qui peuvent pour casser, et puis là, ça, on va dire, pas bien l'État, mais c'est l'État, effectivement, vrai, dans l'époque, ça, qui est absent. Oui. Mais en plus, c'est, faut qu'on empêche de faire, mais faut qu'on gagne des politiques, pour permettre, population, hein,
et jouer de côté pour l'été, faut qu'il y ait un autre aménagement territoire et qui permette que Mounio capable de jouer de côté vraiment vrai pour jouer un petit la vie parce que la vie a dû et Mounio bien souvent et pas connaît tout non mais il dit normal net et faut que jouer de côté pour l'été. Donc ils installé dans des conditions précaires et là tout c'est le droit à la vie. Donc l'État est à deux niveaux pour l'opérer là. Il y a un niveau pour l'opérer en termes de prévention, pour l'empêcher Mounio et construire dans des côtés qui a risque, mais parallèlement tout, il y a pour lui et créer des conditions pour Mounio capable de jouer un côté priorité et des côtés décents. Et que yo capable d'installer pour la vie ou pas menacer. Oui, parce que situation c'est une situation qui mandait que véritablement l'État est capable d'aider Mounio à tous les niveaux. C'est ça que l'État. Donc nous croyons que c'est pas le bail ça pour nous. À faire des interventions pompiers. Oui, faire des interventions pompiers, c'est bien le terme. Mm-hmm. C'est bien le terme. Mm-hmm. Bon. On nous souhaitait, mais nous pas trop connaître qui ça nous repose, nous, et nous souhaitait, pour bah elle n'a pas fait trop de dégâts. Paul-la-palais.com. Maintenant qu'on a tassé une question, c'est conséquences sous élection. Mes amis, c'est regrettant, parce que, à faire élection, ça a traîné trop, et l'ITL était temps pour nous te sortir là-dedans. Nous pas connaît qui conséquence ça capable gagner mais si il y a conséquence pour élection reporter encore eh bien c'est bien dommage pour pays hein, parce que et son élection trop durée donc là non on a élection début 2015 oui début 2015 et son bagage qui traîne trop et ça capable hypothéquer possibilité pour nous gagner des autorités légitimes à partir du 7 février. Bon, nous espérons ça va priver. Mais nous connaissons saison citoyenne qui a fini 30 novembre. Et nous avons fini gagner Mathieu. Et puis avant 30 novembre, nous avons l'autre qui va en quoi. Donc, mes amis, c'est triste. C'est triste. Et nous pas t'a souhaité ça. Nous t'a souhaité que nous capables de finir dans bagay ça pour nous garder bagay yo et on l'autre gens et nan jou k'ap vini là donc nous même ça nous a souhaité c'est que conseil électoral provisoire a gétan sécurisé tout matériel li gétan distribué sécurisé yo parce que avant bagay arrivé et gen mesure capable gétan prend. Et donc sécuriser tout matériel qui était gétant distribué et bay population information sur ça tout parce que gen moun gen kè sauté et candidat yo tout besoin gen information et di yo qui ça fait en termes de disposition pour empêcher même si t'as un report mais que c'est pas un report qui doit loin parfait et parce que faut que nous elle comme ça. Même si tu as un report, s'il pas qu'à fait dimanche, mais que c'est pas. Mois d'octobre là, pas d'adouer terminé. Mois d'octobre là, pas d'adouer terminé, ça ne va pas faire une chose. Tout à fait. Ouais, donc, il faut que, dans ce sens-là, vous protégez le matériel qui est déjà distribué, parce que dans le vieux bagage, vous mettez sur Internet, vous dites, soi-disant, c'est Liliane qui dit là, nous déjà suspectons un plan. Parce que le moment où on parle là, nous croyons qu'il y a des gens qui doivent rendre compte. Il n'y a pas trop en forme dans l'élection. Et donc, il y a besoin de plus de temps pour voir si on est capable de mener plus de campagne. Vous comprenez? Donc, et qui t'a bien aimé, que les conditions et pour justement CEP à trouver la situation pour revoir l'élection bien loin. Et là, nous croyons que et ça, c'est pas ça nous besoin si c'est un pays nous ouais tout bon vrai. Si c'est pas candidat ou bien parti par nous ouais. Mais nous croyons que nous pas d'intérêt souhaiter
bagayyo tombe nan la troublay net alcoolé. Si c'est vraiment vrai un pays, nous besoin guerre. Alors dans la question aspect sécurité pour sécuriser matériel c'est bien déjà distribué puisque nous connaît en pile là côté que pral gagner bureau de vote c'est dans l'école nationale ou bien dans l'école privée ou bien dans direction départementale yo. Là où on est en pile côté ça au capable de servir avec pour abri provisoire, c'est ça que fait j'en dis à fort gain des dispositions qui prend pour sécuriser matériel yo pour éviter même que des monde qui dans zone là mais pour pas gagner opportunité pour capable river côté matériel yo avant élection puisque on connaît j'en dis à et tout monde connaît déjà élection ça a une importance capitale pour pays d'Haïti ba quoi nous capable permettre nous pour 7 février 2017, pour ne pas avoir un président qui est élu, des autorités légitimes pour aborder vrais problèmes pays. J'en ai dit là. Et là, ce n'est pas responsabilité CEPA seulement, c'est responsabilité toute autorité hein, pour garantir sécurité matérielle électorale. Hein. En urgence, tout côté est encore possible parce que peut-être que les côtés, dans le moment où on a parlé là, il est trop tard. Et tout côté est encore possible. En disposition pour qu'il prenne, c'est pas CEP seulement, toute autorité, mairie, et gagne tout population, et pendant la vie, et sous sécurité parle, mais pour lui faire cool qu'on est pour le veiller sous bagage, ça a tout. Parce que Pita, capable Pitrice, ouais, donc nous lançons appel là, nous lançons appel là. Oui, il faut que tout citoyen prenne responsabilité. Yo, et il y en a qui arrivent tout dans le cas de passage ouragan. Il faut qu'il y ait une action de solidarité entre tous les citoyens. Ce n'est pas arrêté pour dire dans la zone ça, puisque moi-même, quand je suis bon, l'autre malheureux, quand je passe, et avec quelques morceaux de tôle, je couvre, je ne sais pas. C'est certain que la zone qui est à risque là actuellement. Mais elle n'a pas passé sur. Haïti nécessairement. La passe entre Haïti et Jamaïque, beaucoup plus proche de zone d'un coup Dame Marie, dans zone Grand Dansan, ça c'est zone côte que dans zone côte oui sud-ouest pays à souvler. Li c'est là qu'a probablement le plus d'impact. Mais maintenant et yo prévoit en pile la pluie pour Port-au-Prince yo qui sont zone finalement c'est en termes de quantité de population c'est moitié pays à lui-même qui pas nécessairement prêt pour autant d'impact mais zone qui vraiment risque de ouais tout potentiel et ouragan ça c'est surtout dans zone Grand Anse avec le Grand Sud maintenant et mais tout pays a concerné en fait par ouragan ça en général yeah. Oh, la palais.com. Alors ça qui est important et surtout pour moun k'ap koute nou dans zone et côté et yo construit et sous flambonne zone de Boulonnaïté côté et habitué gen glissement de terrain et mais c'est pour quitter zone ça yo moun ki bâti en bas gros mu ou après dans zone à risque dans zone qui gen pente et ben c'est pour yo prend bagage qui essentiel et la caillou et puis quitter canal mettez quoi un côté qui moins exposé et parce que c'est la vie et qui plus important et donc nous même nous fait ça capable pour nous motiver pour nous prévenir et donc il y a nécessité pour yo rapidement prendre disposition là parce que et dans les cap venir yo n'est pas capable faire ça encore. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons des esprits qui sont dit dans la ville où nous Saint-Thomas, c'est quand il y a quoi? Et appel aux autres à faire là, rappel aux autres à dire, question formation, éducation, tout le monde. Oui. Mon côté qui est très exposé, tout, c'est la Gonave. Justement, nous avons un monde la Gonave qui est là. Jean-Preston Toussaint. Et c'est. Oui. La Gonave qui va dire, non, comment ça est? Sous-il la Gonave dans le moment ça, là, Preston. Bonsoir. Bonsoir, directeur. Bonsoir Ariel, et nous saluer maintenant là, n'a pas signalé pour tout un auditeur, auditrice radio, qu'est-ce qu'il y a yo, que zile la Gonave, tout comme à toute un zone nan pays, c'est même Jean-Baga Yoye, et pas gain bâtiment qui voyageait depuis hier, et on zile qui était très vulnérable, nous pas besoin de beaucoup n'y là. Là, nous te contacter, coordinateur,
sécurité civile sous l'île Lagoune avant. Yo fait nous connaître que yo pas capable rentrer dans zone yo pour ta mettre moun yo dans lieu sûr, yo pas ca abriter aucun monde parce que mettre un monde dans côté faut que côté pour mettre un après ça faut ta manger pour yo ba yo. Yo pas gain rien pour yo ba yo de ce fait. Yo pas gain rien yo ca faire pour moun yo qui dans zone ville de Rabio seulement yo te publier nouvelle là dans l'église et puis tout dans mégaphone dans la rue pour faire moun yo connaître pour yo abriter tête yo mais yo même société civile sous l'île Lagounave pas gagné le café pour aucun monde qui dans monde qui vit les radios n'a faut connait que Jean Noudou là monde Lagounave vivant de bâtiment de la grande terre quoi bâtiment voyage pour aller de manger mais bâtiment va voyager depuis hier nous pas besoin d'où comment ça y est sous l'île là journée aujourd'hui tout un bagage monté technique parce que nous nous profiter de temps pour faire chercher de la vie. C'est comme ça, bagaille, et sous l'éa, et puis, nous, t'as fait qu'on est que la mairie aussi, fait qu'on est que y'a pas gagné, non, mais y'a pour, t'as subvenu avec une population, hein, mais y'a sensibilisé, moun y'a pour t'as retiré quoi, y'a un lieu qui est dangereux, y'a. Alors, si vous comprenez bien, c'est que protection civile, pas arrivé la Gonave, dans bon, on a parlé là. Protection civile, oui, nous capables de dire oui, il n'est pas arrivé sous l'île de la Gonave, mais ça a semblé coordination, fait qu'on est que, c'est simplement yo sensibiliser moun yo pour ta prendre précaution propre tête yo mais yo même yo pas aucune aide yo capable côté à yo même pas gain intervention qui capable faire pour yo et d'ailleurs dit pas gain abri provisoire même qui à la disposition de moun qui dans des zones vulnérables sous île Lagounave. Bon, parfois, yo kon utilize quelques l'école ou bien l'église pour yo mette moun sa yo, d'après kon donateur, société civile là, fait qu'on est que, li pa ka entreprendre sa kounye là parce que li même li pa gagne pour le tabay moun yo s'il ta retire yo, la kayo pour la mette yo en côté, et puis sûr, pour si bagala ta vin plus grave. Mais ou même comment on pas moun ka vive la Gonave comment ouais population hein, a vive situation ça puisque nous connaît yo annon yo tande nouvelles tout yo parlé de ouragan Mathieu capable gagner gros faire gros impact sur pays là comment y a vive situation ou même ka vive l'autre bord. Ariel, une très belle question mon cher bagala li pas bon même sous l'île hein, parce que les gens me sont décrivant là bagaille était grave déjà sous l'île en bas au grand goût après ça bâtiment pas voyager mon cas faut qu'on est que dans lieu côté moi j'étais là et moi j'étais son monde côté que m'a dominé la mer mon capable de gros côté les sous saline dans ville Sagalès ça gétant plein de l'eau m'a et puis tout le ligue caille là nous yo déjà dans mitan de là m'a demandé si la pluie ça commence à tomber j'embra fait depuis hier soir on dit la pluie fier par goût la pluie m'a demandé si ça t'a vienne plus grave comment ça t'a bien pour moun ça yo. Et puis nous capable de bagala pas bon sous l'île Lagounave li pas bon et moun yo gen moun ki fermé capable de depuis hier soir pas sorti m'a dit comment moun ça vivre parce que son île m'a capable de qui vivre de la grande terre seulement j'aime sous là et bâtiment pas voyager gen moun ki dans une situation dure dans moment n'a parlé là. Mais est-ce que là il a tombé Lagounave actuellement? Il n'est pas tombé fort, mais il a tombé aussi la plupart intermittence, de temps en temps, et pas trop fort, fier, et puis gros vent qui a soufflé très fort. Eh bien, après monsieur et Jean-Preston Toussaint, depuis la Gonave, retez, suivre tout déroulement, ça qui a passé la Gonave pour nous, après le vous informer nous, ou même tout, sur l'information en plus, tout après l'une pour nous information sur ça qui a passé sous la Gonave. Nous gagnons encore avec nous et Aol Isaac qui va le dire nous et suivant information l'a cherché sur internet là qui dernière évolution qui gagne dans cas de passage ouragan Mathieu. Alors gagne de plus en plus d'informations que n'a collecté là sous positionnement en fait de cyclone Mathieu qui en fait actuellement entre en fait au sud mais entre Jamaïque et Haïti il y a 402 km de Port-au-Prince actuellement et vent comme plus mais vent maximum que gagne dans tout près cœur et cyclone là c'est à peu près 225 km/h donc bah tout à fait dévastateur. Bon certain que dans le modèle que m'a regardé là yo et quoi m'a expliqué tout à l'heure et n'a répété c'est vraiment zone
sud-ouest pays ak bral très affecté, mais ça pas veut dire que Port-au-Prince seulement a gain moins impact parce que là juste en termes de la pluie et de vent que nous bral gain c'était la quand même très important. Et d'ailleurs gain nous a des images de effet cyclone en Jamaïque par exemple côté gain tant inondation donc en fait nous devant peut-être dernière heure de calme avant que tempête ça a frappé et selon toute météorologiste que n'a suivi là yo prévoit que cyclone a frappé donc à Souéa et jusque très en fait probablement tard dans l'après-midi demain donc vraiment période qui puis sensible là c'est Kounian va commencer à rentrer la donne. Donc faut que tout le monde prenne précaution yo et oui, c'est très sérieux. Et en fait ne serait-ce que en termes de la pluie que nous va gagner, c'est des quantités extraordinaires, on a parlé de près de 25 pouces de la pluie. Donc c'est en pile l'eau qui va vider sur nous. Donc faut que moun yo kembe ça à l'esprit, c'est certain que nous pas nécessairement préparé pour ça et même quoi information est qui plus important d'abord oui, faut qu'on capable préparer. Donc c'est certainement pas pour une nuit très tranquille, nous sincèrement espérer que effet yo a minime mais faut nous préparer pour possibilité que ta rien doit plus grave. Est-ce que d'abord information gain yo cyclone n'a frappé Jamaïque ensemble avec Haïti ou bien l'a quitté la Jamaïque la rentrer Haïti? Bon en fait météorologie sur même map dans modèle que gain c'est certain que l'a monté couloir entre Jamaïque avec Haïti et il a frappé tous les deux en même temps. Il est tellement large que capable frapper tous les deux en même temps. Jean t'a expliqué là c'est que yo déjà anticipé en pile vent en pile la pluie et yo t'ai même parlé comme nous t'ai ouais ça t'est arrivé un peu de deux dernières semaines ça que il y a certains côtés qui doit même ouais les tornades mais ça nous dit sous réserve parce que à ce stade-ci nous il n'est que d'attendre en termes de ça capable d'arriver dans le pays avec ça. C'est certain que son bail est très inquiétant et mais si nous gain information et que capable prendre des dispositions minimales quand même pour être capable essayer anticiper des désastres nous capable sauver un pile monde en question ça. C'est ça. D'accord. Bien, alors n'a prêté branché et au fur et à mesure que nous gain information parce que là c'est information nous besoin et n'a poté ba nous et mais déjà nous même toute disposition nous ka prendre au niveau pa nous pour et suspendre douter de gravité situation c'est très sérieux nous insister c'est très sérieux et puis youn di l'autre c'est très 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 sérieux. Haïti en bas menace ouragan Mathieu ça qui ka la cause inondation glissement terrain déboulonnaient terre ak effondrement rete veatif. Bon voisine a pas cause cyclone ça retourner dans quoi nous encore voisin cause a c'est pas est-ce que cyclone n'a retourner non cause a c'est est-ce que on prend toute précaution ou doit prendre ça veut dire assiro que caillou en sécurité olapale.com.